Les lions indomptables sont bel et bien arrivés à Luanda cette nuit aux environs de 22h et quelques minutes. N'est-ce pas? Ils sont entrés dans un hôtel 5 étoiles. Ils sont très bien arrivés. Donc, les lions indomptables sont arrivés avec le staff de la Fédération Camerounaise de football, avec quelques membres du staff du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Les lions arrivent donc à Luanda, les amis, tard dans la nuit. L'Afrikafoot, à travers la Fédération angolaise de football, c'est une fédération sœur, avait déjà pris les dispositions pour les lions et la délégation, à peu près 56 personnes, les joueurs, les staff et autres. Et en arrivant là-bas, la délégation Koumvondo a accepté, après maintes supplications de Monsieur Mbarga Disake, arrive, ils n'ont pas de chambre. Ils n'ont pas de chambre. Et selon certaines indiscrétions, on en aurait demandé aux joueurs de boycotter, de faire grève. Et Aboubakar Vincent a refusé cela et les autres joueurs ont dit non. Donc Onana s'est vu en minorité. Donc il devrait suivre. Et Aboubakar Vincent aurait proposé de partager les chambres avec des autres qui sont là, qui n'ont pas de chambre. Mais ce n'est pas tout, les amis. Ils n'auront pas accès dans le stade d'entraînement et au vestiaire. Ça sera très compliqué pour ces gars. André Onana aurait, n'est-ce pas, voulu lancer un boycott hier, n'est-ce pas, dans l'avion, et que les joueurs n'ont pas suivi, n'est-ce pas, ce boycott. En l'occurrence, Vincent Aboubakar, qui aurait refusé, n'est-ce pas, le boycott que André Onana aurait demandé de faire, parce que voilà, il y avait deux staffs dans l'avion, etc., etc. On nous a fait comprendre ici également que les lions, il y a de la sérénité, les lions ne s'occupent pas de ce qui se passe autour, entre la politique, etc. On essaie de nous faire miroiter, vous comprenez? J'ai même appris que la délégation ou les émissaires du ministère qu'ils ont envoyés avant ont des difficultés. Ils ont essayé de discuter avec le ministère des Sports angolaise. Ils ont dit non, ce n'est pas leur dada. Il faut aller voir ça avec la fédération. Et la fédération angolaise les a envoyés balader. On ne vous reconnaît pas. On travaille avec les fédérations. Et la fédération, c'est la FECAFOOT. Vous voyez, les amis, c'est très compliqué cette histoire. Et moi, Oman Biyik, moi, Alioune Bouka, moi, Balok et les autres, je ne vais pas m'embarquer dans ce truc. Ils devaient comprendre, parce que je suis sûr que c'est, ils sont intelligents. Ils devaient comprendre que le gridier ne passe pas avec tout le monde. Ce n'est pas parce que ils ont fait ce qu'ils ont fait au Hilton, Yaoundé, les amis. Et on a appris qu'ils ont dépensé 100 millions. Où est donc passé l'hôtel 5 étoiles de Olembe? Personne n'en parle, non, les amis. Ah oui, c'est intéressant d'en parler. Les amis, et on a même appris aussi que le bus de Moussango qu'ils ont loué là, ils ont dépensé 120 millions. Vous comprenez un peu? Donc, cette histoire est très compliquée. Ce n'est pas du football. Il y a tout sauf le football là-dedans. Et petit à petit, on saura exactement le problème entre M. Moïse Kombi et Samuel Eto'o. Et l'Afrikafoot a choisi la bonne personne comme chef de délégation. C'est celui-là, il s'appelle Koumvondo, allez comprendre. Donc, et il est professeur de l'université. Donc, vous comprenez qu'il n'est pas le genre à se faire intimider autre. Il avait même dit clairement que moi, on ne m'intimide pas. Pas d'intimidation avec moi. Pourquoi le ministère du Sport, qui est dirigé par un agrégé de droit, qui sait que la FIFA et la CAF ne traitent qu'avec les fédérations, essaient d'imposer des gens qui ne vont pas passer. Au Cameroun, là où le ministre est lui-même, ces gars-là ne sont pas, on ne les a pas donné d'accréditation. Il a d'abord intimé l'ordre à Eto'o, après, il a exhorté Eto'o. Donc, vous voyez que l'intimidation, après, les supplications, après, ça n'a pas marché. Et même Toungou Pilaire et Pagou qu'il a voulu effrayer et tout cela, ça n'a pas marché parce que le système. Le Cameroun aujourd'hui, les amis, est divisé. Dans le gouvernement là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que Moïse Kombi est en train de faire. Il y en a qui sont d'accord avec ce que Moïse Kombi est en train de faire. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce que Eto'o est en train de faire. Il y en a qui sont d'accord avec ce que Eto'o est en train de faire. Mais je me trouve où là-dedans, les amis? Je me trouve au niveau des règles. Que disent les règles? Les réglementations, je parle des textes. Est-ce qu'on respecte scrupuleusement les textes? Voilà là où j'interviens. Est-ce que le ministre avait le droit de nommer Marc Brice et les autres? Oui. Mais après consultation, est-ce que c'est la fédération qui devait faire la shortlist? Oui. Est-ce que le ministre a contacté la fédération? Non. La fédération, enfin, Eto'o a fait cette compromise en disant ça va. Mais est-ce que c'est le ministre? Ça revient au ministre de nommer le staff technique des Lions Indomptables? Non. Non, non, non et non. Quand on a fini de dire ça, les amis, on peut être pro-Eto'o, pro-Moelle Ekombi, que dalle. Le plus important, c'est de regarder ce que les textes disent. Est-ce que les gens ont respecté les textes? Et ceux qui sont là, j'ai pitié pour moi, je répète encore pour Oman Biyik, pour tout ce qu'ils représentent. Ils ne devraient pas se trouver dans cette histoire. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met en votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur,
pour les mariés. Le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.